Allez tout le monde, on se retrouve aujourd'hui à Tours pour un événement exceptionnel que tout le monde attend depuis très longtemps. Il s'agit bien évidemment de la DreamHack. Nous sommes ici devant l'entrée, devant le centre des congrès de Vinci, grâce à la société d'autoroute, qui propose donc également un énorme centre de congrès au plein centre de Tours. La DreamHack était déjà organisée ici l'année dernière et on y est de retour cette année. On va essayer de faire le maximum pour pouvoir couvrir cet événement comme il se doit. On va notamment avoir des interviews de joueurs, de personnalités célèbres sur le web. Mais on va vous faire visiter un petit peu le salon dans sa généralité, ainsi que les coulisses de la DreamHack, de la diffusion, de la télévision, etc. Car la DreamHack, c'est aussi ça, et sans ses techniciens, rien ne serait possible. On y va tout de suite, c'est parti. Ok tout le monde, on est toujours à la DreamHack 2016 et je suis maintenant aux côtés d'Aideriat qui joue pour Eclipsia. Salut mec, comment ça va? Ça se passe bien, la DreamHack est cool. Ça se passe bien? Ouais. Comment est-ce que t'as fait hier par exemple? Hier on a affronté vraiment pas mal de teams, c'était les phases de poule, on a perdu uniquement contre Millennium et aujourd'hui du coup on est en loser bracket si je dis pas de conneries. Et on va bien voir comment ça va se passer. Ouais, ça marche, une bonne ambiance KO? Ouais, c'est vraiment cool. Ouais. Ça permet de voir plein de gens que j'avais pas vu depuis longtemps. Et les anciens d'Eclipsia notamment? Non, pas vraiment, plus des joueurs avec qui j'ai énormément joué. Des anciens, d'autres teams, des gens que je connais depuis plusieurs saisons. C'est cool. Ok, ça marche. Du coup, tu restes jusqu'à demain? Oui, je pars demain à 16h. Ok, ça marche. A priori, tu ne fais pas venir à DreamHack, comment ça s'est passé? En fait, on n'était pas censé y aller parce qu'avec tous les frais qu'il y a éclipsés en ce moment, c'était assez compliqué à gérer, tu vois. Mais au final, les viewers ont fait tellement de dons qu'on a pu y aller tout simplement, donc ça s'est organisé un peu la dernière minute. Et ça s'est fait, c'est cool. Bah écoute, merci, un grand merci aux viewers alors. Ouais, un grand merci aux viewers, clairement. Ouais, un grand merci. Tu seras content de revenir sur Paris dans un mois? On peut pas vraiment dire revenir, j'y ai jamais habité. Je sais pas trop à quoi m'attendre. Je suis quelqu'un de la Bretagne, moi. Bah, c'est pas mal aussi, la Bretagne. Ouais, c'est vraiment cool. Pas mal aussi. Bah écoute, bonne chance pour la journée, Agde. Merci d'avoir pris 5 minutes pour nous. De rien. Et puis, bonne journée. Merci, mec. Bonne journée. Bonne journée. Voilà, c'est la fin de cette première game Melty contre Eclipsia. Malheureusement, Eclipsia a perdu. Apparemment, il y a eu pas mal de problèmes techniques, notamment sur Aideriat qui ne pouvait pas lancer des sorts. Enfin bref, voilà, première game perdue pour EC, mais rien n'est joué, c'est un VO3, donc il y a encore une, voire deux games à jouer. Une game pour que Melty remporte la qualification et deux pour que Eclipsia remporte la qualification. On va voir ce que ça donne tout de suite. Je pense qu'ils vont se rattraper sur la deuxième largement. Aideriat, il doit se dire, j'ai mon TP dans 10 secondes, les mecs. Parce que ça, là, si Aideriat aurait eu son TP 10 secondes avant et qu'il arrive dans ce genre de situation, c'est une catastrophe. Il y a au moins de Suniro et peut-être en emporter un deuxième sur la route. Allez, le Drake aussi, on le voit sur la minimap qui est sécurisée du coup, enfin qui va être sécurisée pour les Melty dans et très bonne réponse de la part de Kaelan. Voilà, on va au top, on prend cette tour qui est plus ou moins gratuite. Ok tout le monde, on est toujours dans l'auditorium Ronsard. Cette fois-ci nous sommes à la régie, j'ai la chance de pouvoir être à cet endroit et de pouvoir vous faire découvrir un petit peu les coulisses des émissions, des shows, des lives que vous voyez sur la Millennium et sur Eclipsia TV. Et en ce moment même, il y a une ambiance de fou là-bas dans l'auditorium, pour simplement parce qu'il y a des soucis techniques qui sont en train d'être réglés. Et on va suivre dans un instant avec la deuxième game des quarts de finale, Eclipsia contre Melty. Et dans un instant évidemment, on va pouvoir vous la faire découvrir de la régie. Yeah.
Voilà, là on est toujours dans la régie de l'auditorium Star. La game vient de débuter, la game Mecti contre Eclipse. Donc c'est un gros point, je fais ça. Donc la game Mecti contre Eclipse vient de commencer, pour l'instant Eclipse est plutôt bien parti. On va pas s'avancer, mais quand même ça semble bien parti. Ok tout le monde, dans cette fin de deuxième journée de DreamHack Tour 2016, je suis aux côtés de Torque, c'est le commentateur Millennium Hearthstone notamment. Salut à toi. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien, écoute, on est à la DreamHack Tour et je suis éliminé mais je suis quand même très content. Alors, donc, comment ça s'est passé? Mal apparemment pour toi, mais sinon en général, comment ça s'est passé? Ça avait plutôt bien commencé parce que j'avais fait 6-1 en route suisse et derrière malheureusement l'arbre à élimination double bracket m'a beaucoup moins souri. Merci. Et au niveau des autres joueurs, comment ça se passe au niveau des autres joueurs Millennium? Il y a Yogg qui est en train de jouer actuellement, je sais pas trop où il en est. Les autres joueurs Millennium sont au Spring pour se qualifier à la BlizzCon. Malheureusement, je crois que c'est pas passé pour eux non plus, mais en tout cas, on n'était pas beaucoup de joueurs Millennium parce qu'il y avait un autre événement en même temps. Ok, ça marche. Bon, rien par ça alors. Globalement, comment ça s'est passé cette DreamHack globalement? C'est bien, on a eu quelques problèmes de net malheureusement qui ont un petit peu posé problème pour le tournoi Hearthstone et pour les autres tournois. Mais on est content parce qu'on vient surtout là pour rencontrer les gens et on a vu énormément de personnes comme chaque année. Beaucoup de monde. Beaucoup. On a combien à peu près? Question en qui tue. Impossible d'estimer. Enfin, je connais pas les chiffres. Mais impossible. J'ai vu beaucoup de personnes. Des centaines de personnes. Des centaines de personnes. Enfin, moi j'en ai croisé des centaines. Après il y avait des milliers de personnes mais je pourrais pas estimer. Ok. Il y a d'autres événements de ce genre prévus ces jours-ci ou pas? Ou ces mois-ci? En gros il y a vraiment trois gros événements en France. La Gamer Assembly, la DreamHack et la Paris Games Week. Donc pour l'instant il n'y a pas trop d'événements. Même si on prévoit des choses mais on peut encore en parler. D'accord, ça te plaît les événements comme ça? Beaucoup, ça se plaît vraiment beaucoup, c'est un événement comme un autre on va dire. Non, c'est pour ça qu'on fait ce métier, c'est les meilleurs moments, c'est quand on peut aller en événement. Et moi j'adore aller en LAN et faire les tournois donc c'est très bien. Parfait. Bien écoute, merci Torque d'avoir répondu rapidement à nos questions. Merci d'avoir pu te libérer, je sais que t'as pas trop de temps vu qu'il y a beaucoup de retard. Comment vous arrivez à gérer ça d'ailleurs, question bonus? On s'adapte, on peut pas maîtriser le retard, mais du coup on s'adapte et on fait au mieux pour faire plaisir à tout le monde. Ok, parfait. Bien écoute, merci d'avoir répondu à nos questions. Pas de soucis. Bonne chance pour la suite. Pas de problème. Bonne chance pour rétablir le réseau. Ça va marcher, on va y arriver. On va y arriver. Salut. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo de la DreamHack Tour 2016. J'espère qu'elle vous aura plu, parce qu'en tout cas, moi, ça m'aura fait vraiment très plaisir de la tourner, de la monter et de pouvoir vous la proposer. Juste avant de vous laisser sur l'outro, je tenais à vous préciser que, regardez bien la description de la vidéo, il y aura certainement dans les jours à venir deux petites vidéos bonus. Ça sera deux interviews assez sympas que j'ai pu réaliser, mais qui n'avaient pas, entre guillemets, spécialement à leur place dans la vidéo principale. Du coup j'ai décidé de vous faire deux vidéos bonus, une pour chaque interview afin de les mettre un petit peu à part pour qu'on puisse plus facilement s'y retrouver. Donc voilà, n'hésitez pas à aller checker ça dans la description, je pense que ça vous intéressera. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine pour de nouveaux reportages et de prochaines vidéos. Bye bye tout le monde.